Ahora escuche mi voz. Mi voz le ayudará y le llevará hacia Europa cada vez más profundamente. Cada vez que escuche mi voz, con cada palabra y cada número, entrará en un nivel más profundo, más abierto, relajado y receptivo. Ahora voy a contar de 1 a 10. Cuando llegue a 10, estará en Europa. 1. A medida que se va concentrando en mi voz, comenzará a relajarse lentamente. 2. Sus manos y sus dedos están cada vez más calientes y pesados. 3. El calor se extiende a través de sus brazos hasta sus hombros y su cuello. 4. Sus piernas y sus pies pesan cada vez más. 5. El calor se extiende por todo su cuerpo. Cuando llegue a 6, estará en un nivel más profundo. Ahora, 6. Todo su cuerpo está cada vez más relajado. 7. Quiere ir a un nivel más profundo. Más profundo. 8. Cada vez que respira, es más profundo. 9. Está flotando. Cuando su mente llegue a 10, estará en Europa. Ha llegado a 10. He dicho 10. Nos images sont exclusives, ce sont celles de l'interpellation ratée d'Aurore Martin cet après-midi à Bayonne. La militante de Batachouna, sous le coup d'un mandat d'arrêt européen, est revenue à la vie publique samedi après 6 mois de clandestinité. La tentative d'arrestation a eu lieu chez sa sœur en plein centre-ville, mais sous la pression de son comité de soutien, la police a dû renoncer. En effet, les forces de l'ordre ont fait demi-tour et Aurore Martin, escortée par un groupe d'amis, s'est réfugiée sur la place Saint-André, où la tension était palpable. Ils sont arrivés à l'appartement, ils ont essayé d'ouvrir, mais j'avais dit que j'essaierais de résister au maximum à l'arrestation. Et donc, à un moment donné, ils ont forcé la porte et ils m'ont emmené de force, ça a été assez violent. Ils ne se sont pas présentés, ils sont rentrés cagoulés et comme je n'ai pas voulu venir, ils m'ont pris les jambes, les bras, ils m'ont emporté comme un fou.